Ce jus de pomme est très bon. Comment vous allez mes impacter adorés? Samedi tranquille, on jase. On jase. On fait la jasette du samedi. L'impact est très très fort. Et puis, attendez moi. Comment vous allez? Vous allez bien, j'espère. Moi, ça va. Ça va bien. Ça paraît que je vais bien. Mettez-moi des cœurs si ça va chez vous. Quand là, ce jus est bon, est-ce que tu as acheté là? On avait hésité, mais c'est très bon. Hey, mes personnes, vous allez bien? Moi, je vais bien. Bon samedi chez vous. C'est la jasette du samedi. La jasette. Je sais que généralement, les samedis, on est occupé. Hey, Massa, qui a envoyé les étoiles déjà? Oli Kamara, oh, j'ai dit que mes personnes sont là. Nya, béi, ah, moi, nya. Hé, là, là. Depuis le Gabon, on va aller un peu en journée. Et puis le soir, on va faire causerie du week-end. Qu'est-ce que j'ai fait pour perdre du poids? Oui, hein, comme c'est la causerie, je vais vous dire ce que j'ai fait pour perdre du poids. Vous savez, je vous avais dit que je pesais 100 combien? J'étais quasiment à 115 ou 120, hein? Quasiment 120. Ouais, j'ai fait les régimes. Hey, Madame Granger, comment tu vas? La vidéo vous m'a envoyé là, c'est vieux et ignoré. Ne vous fatiguez même pas. Il a fait mon expérience. Si quelqu'un n'a qu'à écrire mon nom, Monica Z de l'impact, si sa vidéo, un an Kamouou, il n'est pas, j'ai vu le visage, je ne connais pas le visage, j'ai fait dans les, comment on appelle ça, dans la corbeille. Il a mis ça là-bas, il ne fait rien ça. Que quoi? Pardon. Ici, ce n'est pas la page de funérailles. Allez, il y a des pages où on pleure là-bas. Ici, on ne pleure pas. C'est ce qu'il a dit. J'ai dit que mon père est décédé. Ça peut être combien? Ça peut faire 20 ans, hein? 20 ans. 20 ans. On a de la compassion, ça finit là. On va pas forcer les gens à pleurer ou bien forcer les gens à choses. Mais c'est ça, on a fini avec ça. Que son âme repose en paix. Si, il va même, je salue le petit qu'on a coupé sa tête là. Tous les Ivoiriens qui sont morts depuis 2002, je les salue là-bas. Est-ce qu'il a dit? Non, la tête manquait. Comment vous allez? Mais personne. Comment je fais pour perdre du poids? Ben, on est au Canada, il y a beaucoup de procédés. Hein. Les femmes, je vous dis ça, moi, ils ne cachent pas mes choses. Hein. Comment on appelle votre pièce sur le pull, s'il vous plaît? Comment on appelle votre pièce sur le pull? Quelle pièce? Ramène-moi ta question. Ramène-moi. J'ai pas compris en fait. Donc on est au Canada. Vous savez que ici d'abord les programmes d'amaigrissement très souvent. Vous savez c'est l'Amérique, on cache rien ici. Il y a les chirurgies, il y a des programmes. Mais le programme que moi j'ai fait là, c'était un programme vraiment spécial. C'était spécial. On a fait un programme. Il y a eu un programme nutritionnel. Tu rentres en clinique et puis on te fait ça. Mais ça n'existe plus. Mais sinon, pour ceux qui veulent faire, si tu es au Canada ou bien où que tu sois. Ah, ce que j'ai porté, ben, c'est un gap. C'est un gap. OK. Ouais. OK, de la tenue. Ah, le poncho. Oui, c'est un poncho. Ça, on appelle ça un poncho. J'attends, le monsieur va venir avec la voiture et puis on va sortir. Je vais sortir. Aller payer la viande pour faire son foufou. Vous savez, si c'est pas foufou, c'est placali toujours. C'est ça. Donc c'est ça, c'est un poncho. Ça c'est quand il fait moins, comment on appelle, il fait moins froid, je mets ça et puis bon, comme je suis en voiture. Donc c'est ça, il y a beaucoup de OK, ce que j'ai mis sur le blanc. Donc j'ai répondu, c'est un poncho. OK. Ou bien voilà, ou bien cardigan, ouais, cardigan, j'ai vu ça, mais nous ici on appelle ça poncho. Sinon effectivement ce nom là est là aussi, cardigan là. J'ai déjà vu ça sur des sites.
de vente. Donc, en cause, oui, il y a la chirurgie bariatrique. Comme je dis, les Africains avec leur mentalité préconçue, les mentalités arrêtées, la chirurgie bariatrique, on fait ça, on perd du poids bien, très bien. Donc, si tu es en Occident, je crois qu'en France même, là, c'est gratuit. C'est, en tout cas, quand tu passes sur l'assurance, là, c'est gratuit. Ici aussi, c'est gratuit. Moi, je vois des femmes, vous êtes en un bon point ici au Canada. Bon, ah, poncho, c'est mexicain, ok. Ici, en tout cas, nous, on appelle ça poncho. Voilà, ici au Canada, nous, on appelle ça poncho. Sinon, c'est quand il n'y avait pas le COVID, là, voyez-vous. Aujourd'hui, c'est ce qui a fait cette perte de poids, là. Et puis, aujourd'hui, je suis passée sur l'assurance, comment on appelle, maladie. Et puis, ils vont opérer les bras. Parce que quand tu perds trop de poids, il y a un côté du corps qui est plus gros. Souvent, d'autres, c'est le ventre. D'autres, c'est les cuisses. D'autres, c'est les bras. Moi, c'est les bras. Donc, c'est les bras qui vont diminuer. C'est ça. Oh, merci pour la personne qui m'a envoyé des étoiles. Ah, ok. Ma bêche, merci. Cardigan. Ouais, je vois ça. Cardigan, mais c'est poncho. Sinon, à part ça, ça va. C'est causerie du samedi. Hein? Causerie du samedi. Ah là. Merci. Eh, hey, merci, merci. On ne peut jamais se réjouir de la mort de quelqu'un. Hein? On ne se réjouit pas. On ne peut jamais. Même ton pire ennemi, tu ne peux pas lui souhaiter. Mais ce qu'elle dit, c'est mon ressenti, elle dit. Encore, vous allez m'empêcher de dire mon ressenti. Elle est sorcière, elle est quoi. Et puis ça va faire quoi? J'ai dit que ma première vidéo, c'était après Dieu, c'est les blancs. Ça avait créé une controverse, cette première vidéo. Il y a aussi l'impact de la controverse. Et puis ça change quoi? Ça n'a pas changé. Ça n'a changé pas quelque chose. Et puis quand vous allez faire les petites vidéos perpétuelles là-bas, vous croyez que je vais vous répondre. J'ai dit que j'ai fait cette erreur là, je ne fais plus ça. Je réponds pas. Si, je salue ceux qui sont morts depuis 2002. C'est ce qu'il a dit. Yeah, baby. On dit quoi là-bas? Ah, Dreke. Oh, Dreke. Oui, Dreke bas. Mais Dreke là, c'est pas Abi. Dreke, ça veut dire Abi. Maintenant, Dreke bas, gros Abi. Ça, c'est un petit Abi. Donc, bon, Dreke. Ok, Dreke. Ah, d'accord. Comment vous allez, mes abonnés, mes impactés adorés? J'ai tenu à faire un peu cette petite causerie là avec vous pour ce samedi. Jamais, maman, jamais. Comment on va se réjouir de la mort de quelqu'un? On ne peut pas se réjouir de la mort de quelqu'un. Hein, je vois des gens, le seul Ivoirien qui était parmi les étrangers. Vous voyez comment vous voyez? Le seul Ivoirien qui était parmi les étrangers. Il était le seul Ivoirien, hein? Mais qu'est-ce qu'il a fait pour ses frères Ivoiriens? J'ai fait une vidéo, hein, Sally, quand vous voulez parler, vous avez une courte mémoire. Les Ivoiriens ont une courte mémoire. J'ai fait une vidéo. Quand le nom de ce monsieur-là est sorti d'un scandale, l'impacteuse a fait une vidéo. Pour dire, mais toi, les Ivoiriens t'aiment. Tout et tout. Hein? Quand c'est pour prendre les petites expressions, pour faire vos commentaires. J'ai vu vos commentaires, j'ai ri sous vos commentaires. Est-ce que vous avez vu, j'ai répondu à un commentaire là-bas? J'ai pas répondu pas à toutes. Vous voyez, je sais de quoi il parle. On n'a pas cette culture. Ça dit, nos politiciens n'ont pas cette culture de démission. Il a dit, mettez-moi les cœurs, on va rire, mettez-moi les cœurs. Et puis quand tu as venu mettre l'écran de moi, ça a changé quoi. Il a dit, quand il impacte à ces personnes, qu'il aime, clair, l'impacte à ces personnes, il y avait les cœurs sur le direct. Étouffez-moi ces crânes rouges-là. Étouffez-les-moi tout de suite. Vous êtes près de 400 et étouffez-moi ça propre. Hey, j'ai fait une vidéo, j'ai dit, mais toi, les Ivoiriens t'aiment. Tous les Ivoiriens sont unanimes sur toi. Aujourd'hui, te voilà plongé dans un scandale. Mais prends du recul. Hein? Démissionne. J'ai dit ça dans une vidéo. Cette vidéo encore sur ma petite page. Mais on n'a pas cette culture de démissionner. On a dit, non. Il a les mains liées. Il y a mal pris. Il y a mal rané. Hein? Chez moi, quand on dit il y a mal pris, il y a mal rané, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Merci beaucoup. On respecte la mémoire. Jamais on va rire de la mort de quelqu'un. Jamais, 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 jamais. J'ai dit que ceux auxquels je souhaite la mort, c'est les violeurs. Ils n'ont qu'à mourir en prison. C'est ce qu'il a dit. Tu es un violeur. Il a dit que tu as tué quelqu'un. Je peux regarder. Hey, peut-être que c'est un faux coup il a fait. Et puis. Elle dit, tu ne réponds pas. J'ai pas. Pardon, faut me parler.
Nanati, bien, pardon, pas te fâcher, je te réponds maintenant. Réponds, parle, parle, j'avais pas vu. Hein? C'est ça? Ce n'est pas ça. Un être humain. Le père de quelqu'un, mari de quelqu'un, tu as souhaité sa mort. On n'est pas content, mais on n'a qu'à reconnaître. C'est ma part, il a dit. C'est mon ressenti. Peut-être que ma douleur, même, bah, ça dit que mon ressenti, même, je l'ai exprimé dans cette douleur. Vous ne savez pas, vous avez dit tout ce que. C'est pas grave. Est-ce qu'il a dit? Réponds-moi ta question. Réponds-moi ta question. On n'a pas cette culture de démissionner là. Elle dit je profite de ma pause café. Moi, en tout cas, Claude Claret, que Claire peut penser. Mais c'est ça qui fait l'impacteuse. L'impacteuse, vous allez voir, l'impacteuse ne va jamais dans le sens de tout le monde. Ça, c'est ça là, ça a toujours été comme ça. Quand il y a eu l'affaire de la femme, comment on appelle ça? La femme, comment on appelle ça? Oh là là. La vieille femme qui a craché. Tout le monde a fait vidéo. Tout le monde a fait une vidéo pour dire c'est le racisme. On va taper ici, on va taper ici. C'est l'impacteuse qui est sortie pour dire, mais ça là, ça arrive dans le cadre du travail. Ça arrive dans le cas, j'ai donné tous les exemples de santé mentale. Le lendemain, maintenant, quand elle a fait vidéo où elle prenait verre de vin, elle dansait avec la femme. Là on n'a plus fait vidéo. Hein. Tout ce qu'on a dit là, c'est resté dans haut. C'était l'impacteuse toujours. Quand le dosso qui est devenu dosso 15-15 a fait la vidéo où il est venu pleurer, j'ai descendu, j'ai tombé du 15e étage. Toute l'Afrique a condamné. Oui, le monsieur t'a envoyé. C'est moi qui suis sorti pour dire, mais ce monsieur, c'est un manipulateur. C'est toujours moi l'impacteuse qui a toujours fait la controverse. Et je me sens confortable dans cette position. Il ne peut pas changer. Il a changé pour qui? Pour qui? Il paraît que quelqu'un va prendre mon nom, il va mettre mon nom sur sa vidéo, moi, il a changé. Maman, on connaît la stratégie. Il dit, mon dit qu'il m'a déjà donné conseil. Il m'a dit, ça, c'est une stratégie. Non, il ne répond pas à ça. On m'a envoyé ta vidéo, il a fait comme ça. C'est qui, elle? Non, non, Guy, maman, je ne te connais pas. Il a mis aux oubliettes. Et puis, on passe à autre chose. Ah oui, qu'est-ce que petit palu? N'est-ce pas dans l'hypocrisie? Oh, il a un petit palu. Oh, Jenny, Chris, Chloé, V. Elle a un petit palu. Yako, faut te soigner. Hein? Parce que les palus là-bas, là, faut te soigner. Prends soin de ta santé. Il y a dit que tous les programmes qu'on envoie en Afrique, ça va pas loin. Avant, on avait parlé de moustiquaires imprégnés. Quand j'étais petite, là, maman nous forçait d'en faire des moustiquaires imprégnés. Vous comprenez? Akaya, à quoi? Gira nia. Aïe, aka, gi, à quoi, gira? Wanya. Tu as parlé, hein? Tu as bien écrit ça. Aka, gi, à quoi, gira? Prompt rétablissement à notre impacté très, très forte qui est souffrante. Elodie Kwadio Koulibaly, ma personne aussi, maman. Tu es ma personne. Moi, je suis l'impacteuse de toute l'Afrique. Je suis l'impacteuse de tout le monde, de toutes les races, de tout. Mais quand il y a quelque chose dans mon ventre, il n'y a pas même fait hypocrisie. Il y a fait hypocrisie de quoi? Il y a fait hypocrisie de quoi? On t'aimait, tout le monde. Moi-même, l'impacteur qui s'est assis dans mon salon, je t'aimais. Mais je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Tu pourrais regarder tout l'amour que ce peuple ivoirien avait pour toi. Pour dire, c'est vrai, hein? Il y a la politique. Oui, c'est vrai. Mais ce peuple-là même, et puis reculer. On n'a pas reculé partout. On est resté dedans. On n'a pas levé le doigt même partout. C'est ça qui vous avait fait mal. Souffrez de ça. Il y a bissé ça ici. Wendy, elle va bien. Mes amis, vraiment. Wendy qui est là. On ne fait pas atalakou de ses enfants, hein, mais il fait son atalakou. Vous savez que Wendy a 14 ans. Mais elle est très exemplaire. Je dis que hier on est sorti. Je vous ai dit c'est causerie. Il n'y a pas sujet, c'est causerie. Hier on est sorti. Quand on est rentré là, la paresse m'a pris pour nettoyer la cuisine, tout et tout. Wendy a dit, maman, laisse faire. Faut laisser, je vais m'occuper de ça. Wendy a rangé la cuisine, elle a fait le gros ménage hier. Mes amis, quand je suis sorti, j'ai vu la cuisine. J'ai dit, là encore. Mettez le cœur sur le direct. Pourquoi même vous permettez que je vois les choses? Comment on appelle ça? Mettez les cœurs, mes personnes.
Oui, elle est à l'aise. Mes amis, j'ai vu la cuisine où on dit arranger tout, 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 vider les poubelles, nettoyer tout. Vraiment, mettez les cœurs pour Wendy. Il n'y a pas beaucoup, hein. Elles sont deux. Mais c'est Wendy qui est la grande soeur. Wendy a fait. Denis devait ses 200 dollars là. J'avais dit qu'il y avait que Denis doit 200 et quelques dollars. J'ai dit, il y a que Denis ça la semaine prochaine. Mais je me suis réveillée. Il dit, bon, il y a que tu fais ton transfert. Je voulais attendre, mais vraiment, merci. Merci beaucoup. Communiquez avec les enfants. Toujours. J'insiste là-dessus. Communiquez avec elles. À les comportements, ils ont tout et tout. Essayez de normaliser les comportements des adolescents. Vous comprenez? Normaliser. Parce que quand il y a Wendy, elle n'est pas parfaite, hein, mais ça me va. Normaliser. Il y a des choses, souvent, elle me dit. Je regarde, elle dit, c'est pas grave. Je regarde, regardez le bon côté. Hé, la go. Saniso, merci beaucoup. Wendy a fait mon travail hier. J'ai dit, hé, la go, j'étais fatiguée. J'ai dit, qui va nettoyer? Ça a dit, maman, laisse. Elle a nettoyé. Oh, Wendy, les impactés sont en train de t'envoyer des cœurs. Ils sont en train de te dire, oh, mon Dieu. Ouais, oui, elle est tranquille, mais elle est bien. Elle est bien. Le seul problème, c'est que quand tu lui dois, tu ne respires pas dans la maison. Quand tu lui dois, maman, mon argent. Papa, mon argent. Maman, mon argent. Hier, Wendy m'a dit que maintenant, là, je ne suis plus dans la manipulation de toi et papa. Oui, le roi, lui, travaille. Actuellement, là, le roi, il a un gros projet, donc il travaille. Vous voyez, non, il a dormi au travail. Et puis, là, là. Mes abonnés aiment trop ça. Wendy a dit que je ne suis plus dans la manipulation de toi et papa. Quand j'étais petite, quand vous faites la chicane, vous me prenez ici, maman me prend de son côté, tout et tout. Oui, j'ai lui donné ses 200 dollars, j'ai lui viré son argent. Elle m'a dit, elle va au cinéma aujourd'hui avec ses amis. Vous me prenez, quand, avant je ne comprenais pas, du coup papa devient gentil avec moi. Du coup, maman, maintenant je ne suis plus dans la manipulation. Donc, si vous faites vos chicanes, je ne suis plus dedans. Ah, là, là. Je la prends, je dis, ben les enfants aiment le McDo. Il y a un pays. Oh, je dis, les enfants sont observateurs. Je la prends, je les m'en vais. C'est là, je lui achète des bons vêtements. Et puis le pauvre monsieur, il est isolé dans la maison. Et puis, lui aussi, quand il sait qu'il a trop raison, maintenant, il laisse jouer. Le gangamba là. Non, maintenant il prend Wendy maintenant. Quand c'est quoi, maintenant il a Gessan. Ou bien, non, quand c'est quoi, il dit pas Gessan. Hein? Car là, là maintenant c'est plus Gessan. Bah, Gessan, c'est son petit, non? Non, elle a pas 18 ans. Hein? Elle a 14 ans. Quand c'est quoi, car là, il va l'appeler gentiment. Quand il fait ça là, Gessan, il dit, oh, je suis foutu. Il va prendre Gessan, il va la mettre de son côté. Tout et tout. Maintenant, là, la dernière fois, elle s'est assise sur la table ici. Elle dit que vos manipulations de toi et papa. Il y avait une chicane ici la semaine dernière. Je l'appelais, j'ai dit que toi, tu as vu ce que c'est que ton papa m'a fait, tout et tout. Elle m'a dit, oui, maman, je sais, mais papa, peut-être il était énervé, tout et tout. Parce que lui, quand il est énervé, je vous ai dit, quand il est énervé, il dit, mais d'abord, il a claqué la porte, il est parti. Donc, moi, je suis allée, j'ai dit, que Kara, tu as entendu la porte? Elle dit, oui, maman, j'ai entendu. J'ai dit, c'est ton père qui a claqué la porte comme ça, hein. Tu as vu, hein. Et c'est comme ça, il commence, quand moi, je vais parler. C'est pour dire, tu as vu, hein? Tu as vu comment la maison a secoué, il a claqué la porte. Elle dit, ok. Donc, il sait, elle dit que, appelle ton papa, faut l'appeler. J'ai dit que pour l'appeler. Elle dit, ben maman, il est allé au travail quand il va venir. Mais j'ai dit que non, 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 il faut l'appeler la nuit, là. Il faut l'appeler. Tu as vu ce qu'il m'a fait? Tu as vu comment il a claqué la porte? Il aurait pu gâter, moi, dit, il aurait pu gâter la porte de la maison, hein? Tout et tout. Actuellement, il y a Covid là où on va voir quelqu'un pour venir réparer. Elle a appelé son papa. Il a commencé à parler au téléphone. Il a commencé à parler. Pendant le direct de mes personnes, les rires vont sortir dedans aujourd'hui. Il a commencé. Il vient ici. Il a commencé à parler. Hein? Ta, 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 ta. Mais j'ai vu qu'elle a grandi maintenant. Si c'était avant. Hein? Toutes les femmes font ça. Ils ont parlé, ils clampent, sommeil m'a pris, j'ai dormi.
Donc, elle est revenue le soir de l'école, elle m'a dit, puis, quand il est venu, il m'a dit, bon, quand on fait parler, puis il y a la réconciliation qui va venir, il dit, bonjour madame. Moi aussi, elle dit, bonjour monsieur. Ça, c'était suite à la conversation. Suite à la conversation avec Wendy, quand il est rentré ici, avant, quand ça va là, quand il ouvre la porte là, allô, allô papa, ça a bien été. Ah, vous-même, vous avez vu dans les vidéos, hein, quand ça va là. S'il rentre ici, qu'il s'est fait vidéo, et puis il dit, papa, ça a bien été, c'est qu'on est en harmonie. Sinon, si on n'est pas en harmonie, il me dit bonjour madame, je dis bonjour monsieur. Donc maintenant, il vient, il tape ici. Quand tu en parles avec lui là, lui, il vient, il tape les trucs, il fait comme ça, il dit, aïe, mais il y a quoi, et puis tu fais du bruit quand dans la maison. Faut aller doucement, hein? Je travaille les enfants des gens ici. Hein? Faut pas faire les enfants pour être traumatisés. Il dit, mais moi, je fais quoi? Quand les enfants vont être traumatisés, je fais quoi? Faut pas me mettre dans ton affaire de travail. Ton travail est là, c'est ma maison, hein? J'ai fait d'une manière là. Entends la petite aussi, maintenant, tout ça, mon cher. Elle l'a observé, elle dit que la mère aussi me manipule. Le père me manipule. Merci pour la personne qui m'a envoyé les étoiles. Merci beaucoup. La dernière fois, moi, j'ai dit que j'ai quelque chose à vous dire. Vraiment, la manipulation, je suis fatiguée de ça. Depuis que j'ai l'âge de 4 ans, vous me manipulez. Maman, tu me prends ici. Papa me prend ici. Maintenant, là, c'est correct. Avant, vous faites ça. Par exemple, vous m'offrez des petits cadeaux. Quand c'est papa, il devient gentil. Maman, toi, tu me prends. Maintenant, là, c'est fini. Désormais, si vous avez vos chicanes, je crois que... Et puis la dernière fois, c'est ce qu'elle a fait. Elle s'est détachée de la chicane. Elle n'a pas parlé. Quand elle a fini de régler son papa tout et tout, elle a dit à papa, oui, ce que tu peux reprocher à maman, tu avais raison. Mais maman n'a pas apprécié la façon dont tu avais parlé. Il dit, non, ta maman, elle l'a souvent. Il faut faire bien sur elle et puis elle va comprendre. Donc, c'est comme ça que Jessan, elle a réglé. Mais Jessan a dit qu'elle n'est plus dans les manipulations. Elle a dit, surtout toi, maman. Tu es trop forte dedans. Et quand c'est comme ça, là, je fais comme si... C'est moi maintenant qui fais pitié dans la maison. Il me met dans mon coin ici. Tout et tout. Et puis avant, elle dit qu'avant, quand c'est quand elle vient s'asseoir à côté de moi, elle dit, maman, je ne peux plus m'asseoir à côté de toi. Oui, oui, j'ai assez fait ça. Oui, là-bas, Maïs. Elle dit que non, maman, j'ai mis la porte, j'ai traîné dans la maison ici. Elle dit que maman, je ne peux plus m'asseoir à côté de toi. Avant, je le faisais, je voyais ma mère malheureuse. Mais je ne finis pas à comprendre que maman, tu n'es pas aussi sainte que ça. Non, non. Maintenant, là, non, non. Je ne vais plus me mêler entre vous. De part et d'autre, il y a eu de la manipulation. Je ne peux plus accepter. Là, encore. Son maman était là, il a réveillé la tête, il a dit, c'est pas possible. Donc, c'est ça. C'est ça qui est là. Ouais, ils sont baissés. Yeah. Ah, bon, puis on est trois dans la maison. L'autre n'est pas encore là. Comme je vous ai dit, on a deux enfants, mais il y a une qui n'est pas là. Donc, quand c'est comme ça, là, le monsieur, c'est ça, isolé. C'est que si toi qui as pris le dessus, tu as vite rattrapé Jessan et toi, là. Aïe, tu as gagné la guerre. Aïe, donc quand ça fait comme ça, là, la personne qui a vite récupéré, là, c'est la personne qui est en position de faiblesse. Tout et tout. Tu comprends? Quand elle devait avoir 6 ans, ouais, je vous ai raconté cette histoire. Ah ouais, quand je suis joyeuse, ça c'est clair. Vas-y. Elle va avoir 6 ans, il y a eu une grosse chicane. Tout et tout. Elle dit, papa, arrête. Papa, arrête, comme je vous ai dit, hein. Il ne parle pas, hein, mais s'il est fâché là. Il chute ici. Mais lui, sa violence, c'est sur les tables, les trucs. Ou bien les chaises. Mais alors, il pousse la barre. Pousse la barre. Aïe. Il l'a. Il a dit, il était monté sur ses grands chevaux ce jour-là. Il y avait. Pour qu'il s'en dit, papa, arrête. Quand il a commencé à parler, j'ai dit, Choubi, arrête. Petit papa, il faut arrêter. Il dit, j'arrête pas. J'en ai marre. Kala était là. Tu te rappelles ça, non?
hein, à Saint-Laurent. Elle a dit, mais papa, arrête, maman ne parle plus. Ouh, quand elle a dit, maman ne parle plus là, même là. Là, c'est gâté. Moi, je n'ai rien dit quand c'est comme ça là. Il dit rien, il est dans mon petit coin. Il chante les petites chansons de mon village, un peu la nostalgie. Je pense au petit repas chaud qu'il avait mangé quand il était jeune. Qui est venu mettre ça là pour bloquer? Oh, laissez à faire des témoignages. Henri, samedi matin, vous venez toujours étouffer les choses. Laissez ça. Les impactés, si vous êtes là, envoyez-moi des coucou. Je ne vois pas vos messages. Ça va faire un peu le jus là. J'aime ça. C'est très bon ce jus de pomme là. Merci beaucoup. Hi! J'ai dit que le monsieur était rentré en transe. Qu'elle était là. Elle le merci, papa, mais arrête. Il dit non. Je n'ai marre. Mais encore. Je demande le divorce. Hi, ouais, en fait, il demande le divorce là. Ah, oh. Quand il a dit il demande le divorce, sa cara a commencé à pleurer. D'accord. Moi, maintenant, j'ai vu, il a dit, papa, faut te calmer. Quand c'est quoi, je vois que c'est chaud maintenant, là, hein, la chanson de mon village. Calibre, c'est calibre, calibre, calibre. Ou bien, Godogou, moi, belle poéba. Ouais, non, moi, gégé, si oui, gégé, zélé, zouzouko, ouais, zélé, nani, yébo, gégé. C'est comme moi, belle poéba. Ouais, non, moi, gégé, si oui, Et puis, je suis dans mon coin là-bas. Ce jour-là, il m'avait lavé comme adieu quand même. Coucou, Nya. Il m'avait lavé. Il parle pas, hein, mais quand il a la colère, là, il se contrôle pas aussi. Lui, quand il a la colère, là, il dit ce qu'il veut, puis après, on passe. Je n'ai rien dit. Après maintenant, bon, voilà les moyens de réconciliation, on cherche les moyens de réconciliation, on cherche les moyens de rapprochement, hein, quand c'est quoi. Il dit, mais, il vient, chérie, il peut la mettre l'assiette. Ton tissage là, il dit, pardon, mon tissage là, elle a tissé ça, ça fait 2 semaines, ça fait pas encore longtemps. Il faut chercher un autre moyen. Il faut chercher un autre moyen. La micheuse même, c'est ça. Maintenant, il sait plus comment. Ici là, quand je vous dis, faites de camaraderie avec vos maris, avec vos femmes. On ne va pas aller quelque part. Et si c'est tous les problèmes, tu allais expliquer à ta meilleure amie. Tu vas pas aller tout expliquer. Donc, il tourne avant maintenant. Quand c'est quoi il fait maintenant? Là, il a fini de parler. Hein? Le visage, vous avez vu quand on parlait là, c'est plus le même visage quand on cherche les moyens de rapprochement. C'est plus le même. Quand c'est quoi maintenant, il va dire mon nom. Ça y est. La go, hein? La fille de son père. Oh, je prends mon visage, il met à moi le cas. Il tourne ici, il cogne le mur, tape là, ça passe pas. Les anciens sont là de mon village. Je chante ça. Et puis maintenant, ils voient Kala. Ah, Kala, tu peux aller voir ta maman. Elle avait 6 ans, pour vous montrer. Ils vont voir. Ils sont baissés. Patel, je dirais. Ils sont baissés. Il dit, Gisson, Kala, technique d'approche. Merci beaucoup, Léa. Nzuga NZ. Technique d'approche. Oui, chanson de ton frère, Philippe. Je chante sur lui. Quand il dit que j'ai marié la femme bêtée là, c'est les chansons du village. Il dit, je chante les chansons de mon village. Tout et tout. Qu'il est parti la voir. Quand il allait la voir, il dit, mais papa, moi ici là, j'entends. Hein? La maison où on habitait là, la chambre de Wendy, elle faisait un peu face à la cuisine. Elle a dit, mais elle avait 6 ans. Ma belle-mère me suit. Après, elle dit, mais papa, je t'avais dit. Quand tu parlais, je t'avais dit. Je dis, papa, arrête. Mais t'as pas arrêté partout. T'as parlé, papa, ça fait une voix à l'époque, là. Il dit que oui, mais je t'ai pas dit ça pour que... Il a dit, il faisait pitié quoi, dans un petit coin là-bas. Il dit, mais papa, je t'avais dit. Maman, là, il faut... C'est là qu'il a dit. Et je crois que ce jour-là même, j'avais pris l'autre chambre à côté. Il dit oui, mais il faut aller la voir. Tu sais que on est trois ici, tout et tout. Il faut aller la voir. Et le Seigneur lui a dit que non, 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 donne-lui le temps de digérer. Elle a dit, donne le temps à maman de digérer. Donne-lui le temps. Ça va lui passer. Il faut lui donner le temps. Il dit, aïe,
Après, il est venu, il dit, oh, je suis foutu. Gesson, il s'est allé voir même pour plaider. Gesson dit de donner le temps à digérer. Oh là là. C'est que c'est à Fia Monique que je vais appeler. Il faut que j'appelle ma mère. Parce que Gesson n'est pas de mon côté. Donc, la petite, aujourd'hui, tout ça là, elle se rappelle de tout ça. Donc, toute cette manipulation de part et d'autre, elle a dit maintenant là, Léa Nguzu Nze. C'est ça. C'est ton nom? Tranquille, on est tranquille à la maison. On est tranquille, on rit. C'est pour rire, c'est pas pour. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça que j'ai dit communiquer avec les enfants. Communiquer, j'ai dit ça. Communiquer. Elle a observé tout ça. Elle nous a dit, ben, elle a dit, ça c'est fini maintenant. Elle a dit, je prends plus, elle a son mot là, je prends plus le bac. Nous on dit la part, mais elle, ils disent bac. Elle dit, maman, je prends plus le bac de quelqu'un entre vous deux. Elle dit, c'est fini. J'ai fait ma part, on m'a pris ici, on m'a mis ici, je venais m'asseoir à côté de toi, alors que dans le fond, maman, tu n'avais pas raison. Hein? Quand j'ai, avec le temps, j'ai fini par comprendre que tu n'as pas toujours raison. Mais c'est juste que papa, bon, parfois, il cherche un peu les petits moyens. Tout ça, elle m'a dit autrefois. Donc, c'est ça. Qu'est-ce qu'elle fait ça? C'est la communication. C'est ça. C'est la communication. C'est ce que je vous dis dans mes vidéos. Voilà. Parce qu'elle m'a dit que le soir où j'étais allée, que tu as vu que ton papa, il pouvait casser la porte de la maison, tout et tout, il a remué la maison, il a fait ta 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 ta. Elle a dit, maman, j'avais compris, mais comme maintenant, j'ai dit que non, plus jamais. Vous voyez, quand il était allé, il dit qu'il allait casser la porte là. J'ai dit qu'il allait casser la porte. Tu as vu comment il a fait la porte. S'il cassait la porte, qui partait là, les voleurs pouvaient rentrer derrière nous. Tout ça là, le système de sécurité me pouvait prendre un coup tellement il avait remué la porte. Tout ça là, elle m'a dit que maman, ça passe plus. C'est fini. Ça passe plus. Causez avec vos enfants. Causez avec eux. Normalisez. C'est ça, elle m'a dit. Ah là là. Regardez. Normaliser le comportement il faut normaliser. Surtout en Occident. Même en Afrique. Je vous demande de normaliser. C'est qu'on ne peut pas accepter. Même les vols même avec les enfants. À un certain âge, oui, c'est vrai. Dès la base là, il faut, merci pour ceux qui m'ont envoyé toutes ces étoiles, comme j'ai dit. Ouais, le vol, c'est ça, le vol et le mensonge, à un moment donné, ça fait partie comme de leurs choses. Mais on travaille là-dessus. On travaille. Oui, on a, très souvent, on n'a pas raison. Karine Koué, très souvent même là, on n'a pas raison. Même comme j'ai dit là, quand ton mari il t'aime là, il a dit, les paroles entre les quatre murs, on peut expliquer tout, on ne peut pas expliquer tout ici. Merci, Florence et la Lionne, on ne peut pas expliquer tout, paroles entre quatre murs. Il était allé régler par là d'une fille, d'un grand frère là. Tout ce que sa femme lui disait dans Palabre là-bas, il va prendre. Il dit à grand frère. Moi, il a dit au roi un jour, je lui ai dit quelque chose. On faisait un Palabre, puis il lui a lancé. Lui, il n'aime pas la phrase qu'il n'aime pas. Regarde-le là-bas. Ouh, si tu lui as dit ça, regarde-le là-bas. Lui, il m'a dit, même si tu veux, même, regarde-le là. C'est comme lui. Donc, quand il a dit que bon, regarde-le là, il n'aime pas, j'ai laissé. Mais après ça aussi là, quand on aime Palabre aussi, c'est ce qu'elle t'a dit là. Et puis ça, t'es fragilisé, t'es dit ça. C'est pas là. Et c'est pas là pour faire pour caresser quelqu'un. Hein? Maintenant, un jour, il m'a dit quelque chose. Parce que quand le jugement arrive, nous les femmes, hein, tu m'as dit ça. Tu m'as dit ça. Il dit, mais chérie, c'est toi qui m'as dit ça. C'est ce qui va faire mal à l'autre que tu dis. C'est toi qui m'as dit que dans ton dialecte, on dit pas là, c'est pas pour caresser. Hein? C'est à vous les bêtés, vous êtes les grands faiseurs de palabres. Non, c'est ce que tu m'as dit. Donc, moi aussi, ce jour-là, il a dit pour moi. Maintenant, c'est pour moi là. Tu mets devant, tu mets devant. C'est pour ça maintenant. Avec le temps qu'on a commencé à faire, il me dit, toi, après c'est pour moi, tu mets en avant. Donc maintenant, moi, il ne parle plus avec toi. Il ne fait plus parler avec toi. Maintenant, regarde-le là-bas. Si tu lui as dit, regarde-le là-bas.
Non, je dis plus. Et ça, il m'a dit clairement. Il dit, regarde-le là-bas. Il dit qu'il sent là. Chérie, il ne faut pas me dire ça. Il dit, il ne faut pas me dire ça. Maintenant, après, bon, il y a un moment, il a vu qu'il a pris le dessus dans les palabres. Il a comment me dit. Ah, merci beaucoup, Phyllis. Il m'a dit que ton regard-le là-bas, quand tu me dis ça, il va aller me jeter en bas d'un camion. J'ai dit, chérie, jusqu'à ce point, il dit, oui, 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 oui. Il m'a dit ça. J'ai dit, bon, il n'a plus te dit ça. Maintenant, après, un jour dans le palais, il m'a dit quelque chose, tout et tout. J'ai dit, oui, oui, tu m'as dit ça, tout et tout. Il dit, mais chérie, t'as dit ça au palabre, ça peut mettre l'autre en position de faiblesse. Mais j'avais dit ça, mais ça, c'est dans le palais. C'est dans la vraie vie, il peut te dire ça. Ah, chérie, il faut laisser ça. Toi aussi, c'est ton affaire qui est là. Mais quand on parle, toi, tu as dit pour toi. Et tu as dit pour toi, c'est moi qui ai parlé. Moi, je n'ai pas parlé. Maintenant, c'est pour moi, la petite que moi, j'ai dit, c'est ça, tu prends. Tu reviens quand tu vois que si en position de faiblesse, elle est là, bon. Là, là tu reviens là-dessus. Mais pas de regret par d'un frère. Là. Il revenait sur ce qu'elle m'a dit. Ça, j'ai dit, ah, qu'un frère. Et c'est ce qu'elle a dit là-bas. Là. Nous, on a besoin d'entendre ça. On n'a pas besoin. Mais c'est qu'elle dit que tu es vilain. Tu es vilain, oh, mais c'est toi qui es son mari. Et elle m'a dit que je suis vilain. Que regarde comment mon ventre a grossi. Tout et tout. J'ai dit, ah, grand frère. C'est là, dit, le ventre a grossi. Il faut diminuer un peu la nourriture, c'est tout. Le ventre va diminuer. Et à un moment donné, le ventre grossit, on perd les cheveux, on perd tout ça. Où est affaire? Faut laisser ça, grand frère. Ah, on va rentrer dans le ventre à grossir, on va prendre le ventre à grossir pour faire un jus. Non, 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 c'est pas un jus. C'est pas un jus. Vous comprenez? Ah, lago. Ah, Okins Kedi. Moi, aïe, pas la baisse, c'est pour te caresser. Ça, c'est nous les bêtons, on dit. Hein? Un y a bien dit, c'est pas pour te caresser, on fait pas là. Hein? Pas là, c'est pour te dire ce qui va te faire mal, c'est ça qui est pas là. Pas là, c'est pas causerie. Ça, là, c'est causerie, on est en train de faire, on est en train de rire. Pas là, là, où on est dans l'action, l'autre veut fragiliser l'autre. Hein? Il y a des coups, on dit non. Quand on est en palabre, on est en palabre. Pas là, c'est pas là. Mais c'est juste que bon. Regardez comment il est. Il dit qu'il n'aime pas. Donc, je dis plus. Je n'ai plus jamais dit ça aujourd'hui. Mais elle est petit truc. Donc, il a dit au grand-père, ah, faut laisser ça. Parce que souvent, quand on va régler les problèmes aussi, les gens pensent que nous aussi, on ne fait pas par là. Ou bien nous aussi, comme mon ventre a grossi. On prend mon ventre a grossi pour une elle a dit que oui. Et comment ton ventre a grossi? Ventre a grossi est un jus. Ventre a grossi n'est pas un jus. Ventre a grossi, là, ce n'est pas un jus. Non, laissez ça. Il lui dit. Ah, hein, Jean, est-ce que je te vois? Mais, ouh, Niabé qui a dit ça? Gamba, Lié, Irène. Est-ce que je te vois même? Moi, je te vois. Aïe, ah, les trucs qu'on les trucs dit. Ça dit que les ignorances intentionnelles là. Ouh. Quand c'est quoi, il va dire, mais chérie, tu fais pas attention. Il a dit, mais j'ai fait attention pourquoi? Chérie, tu me réveilles pas. Il a dit, rien pourquoi? Toi et moi, est-ce que moi j'ai la valeur dans cette maison? Il dit, ah, toi, c'est ton affaire qui est là. Tu n'as pas la valeur, non? Il a dit, mais tu as dit que, pas qu'on fait pas la blague. Maintenant, quand il est réconcilié là, c'est à cause ça il t'a donné 2 mois de plus là. Eh, vraiment, ça là. Non, tu as frappé la sauce. Faut reconnaître. Il a dit que vous qui êtes dehors, que vous êtes là, vous gigotez là pour venir prendre la place de ma femme là. Et vous êtes des bâtards. Pas vrai? Vente à grossir n'est pas un jus. Si elle dit vente à grossir, il faut diminuer. C'est où est affaire? Vente à grossir n'est pas un jus. Il dit non, ma femme. Hé, chérie, allez là, mais toi et moi là. Hé, allez là, non, non. Hé, allez là, c'est ma femme même qui est là. toi, Milan Yaraba, ou bien, quoi. Tu étais allé me mettre, tu étais allé m'insulter quelque part. Tu viens sur mon direct aujourd'hui. Milan Yaraba. J'ai vu, tu as qu'à mettre ta capture d'écran ici. Des hypocrites, vous vous promenez partout. Je t'ai vu, tu veux qu'elle mette ta capture ici? Je t'attendais. Milan Yaraba. Restez où vous êtes bien là-bas. Maman, je ne t'ai pas appelé ici. Oh. Tu viens sur mon direct où je suis en train de rire et me impacter. Je n'ai pas besoin de toi.
Ta capture d'écran, je l'ai. Où tu m'as insulté. Vous vous promenez partout. Les abonnés prostitués, partout. Je ne sais pas qui est caché derrière. Hein. C'est pour toi, il te donne là. Samedi. Merci beaucoup. L'impact, c'est. Ouais, c'est ça. C'est la réalité de la vie. Et ça, l'impact. L'impact, là, c'est là. C'est la vraie réalité du foyer. Il explique, il rit, il bain tout et tout. On met tout dans le riz, c'est ça. Mais c'est. Y a pas. Donc, si tu as ton mari qui te respecte là-bas, il te prend bien, il dit bon, vous faites les palabres. Palabres là, c'est pas ça qui est le problème. Même palabres, où on rabaisse l'autre jusqu'à un niveau là, c'est ce qu'il n'aime pas. Faut pas encore faire palabres et puis tu vas me mettre quand il y a mon estime de soi va baisser. Je continue la causerie, il est fini. Il fallait qu'il dise ça. Il attendait, il ne savait pas qu'il attendait. Les promeneuses. Vous comprenez? C'est ça qui est. Sinon, si ta femme t'a dit ton ventre est gros, tu es comme ça, tout à l'heure, c'est pas un problème. Ton ventre est gros et puis après. Ton ventre est gros, où souris va envoyer bagage. Ton ventre est gros, mais elle va pas quelque part. Donc, ne prenez pas tout. C'est ça. Vous comprenez? C'est ça qui est. C'est un problème là-bas. C'est pas mon affaire. Mais il paraît qu'elle sache que le commentaire qu'elle avait posé là, je l'ai en capture d'écran. Il est fini, elle, ça. Laissons ça, c'est fini. On m'a dit quelqu'un, j'aime quand tu ris. J'aime quand. C'est vrai, quand je ris, je suis intéressante, ça c'est clair. Moi, je le sais. Coca. Whisky. Non, c'est pas whisky. Ouh là là, il est neuf. Il est quel? C'est du jus de pomme. Oh non, non, non. On ne prend pas d'alcool en choses comme ça. C'est du jus de pomme. Mais c'est juste que lui, je l'aime parce qu'il n'est pas trop sucré. Ah, j'ai fait Adjo Estelle Agama. J'ai fait ce genre de conversation les vendredis. Et mes impactés très, très fort. Ils sont là tous les vendredis. Comment il s'appelle? Sylvain Mars, ils sont nombreux. Ils sont là les vendredis, ou bien souvent les samedis soirs, on en parle et puis on rit. Ouais, souvent j'ai dit des choses comme ça, dans le rire, vous comprenez? Enfin, c'est pas toujours, on prend les choses au premier degré. Ouais, moi je vous aime mes impactés, mais c'est juste que c'est ça. J'explique souvent mon expérience pour normaliser la vie de couple. C'est pour normaliser la vie de couple et puis avec les enfants. Il faut qu'on normalise. C'est juste qu'à un moment donné, oui, il faut être doux quand. Karine, quand ton mari est fan de toi. Il y a vu quelque part où on a dit un homme ne doit pas laisser tout faire. Quand il aime sa femme, il faut laisser. Il dit que c'est infidélité qui est problème. Si c'est infidélité et puis insulter ma mère, comme a dit le roi, moi aussi les deux choses. Infidélité, et puis insulter ma mère. Ah, tu m'as envoyé le cœur. Milan Yayaba m'a envoyé le cœur. Elle m'a envoyé la fleur. Merci beaucoup. Tu m'as envoyé la fleur. Je suis l'impacté. J'exprime ce que je ressens. Je t'avais vu ce commentaire. Tu m'as mis ça méchamment. Merci beaucoup. Donnons le cœur à Milan Yayaba. Elle m'a envoyé le cœur. Est-ce que ce que je dis, c'est vrai? Merci beaucoup. C'est fini. Merci. Donc, qu'est-ce que je disais? Non, c'est pas whisky. Oh là là, non, non, non. Je prends l'alcool une fois. Une fois, peut-être par semaine. Les vendredis, souvent pour relaxer. J'avais vu. C'est correct. Ma chérie, merci. On donne les cœurs. On donne les cœurs, c'est correct. On va donner les cœurs. Si c'est elle, c'est pas elle, c'est correct. Mais on donne les cœurs. Merci beaucoup. Vous comprenez? Il faut qu'on. Quand elle a dit, et quand l'autre a dit oui, quand ton mari t'aime, on normalise, comme a dit le roi. C'est comment on fait ça? Infidélité et puis manquer de respect à mes parents. Chérie, c'est quand tu me dis à nous deux, moi je m'en fous. C'est à nous deux. C'est à nous deux. Soit ces gens d'hommes-là, ta femme t'a dit, c'est ça qu'on est parti régler l'affaire du grand-père. Il insiste, il dit à grand frère, faut laisser ça. C'est quand t'as dit en tout cas, si on était au milieu de ça.
Nous, on est venus pour être nous appeler pour qu'on demande pardon à ta femme. Maintenant, toi qui as appelé pour qu'on demande pardon, c'est toi qui veux remuer au couteau dans la plaie. Un jour qu'elle t'a dit, là, c'est nous, on était là. On n'était pas là par la doute. On n'était pas là. Ton grand frère, faut laisser ça. Partagez le direct, mes personnes. Si vous aimez la partager, nous les on prend. Hey, on va faire un coucou à Doams la tigresse. Oh là là, ça c'est ma collègue, c'est ma soeur, c'est tout. Merci beaucoup, merci Doams d'être là. Vous comprenez? Voilà, elle parle de la vie de couple, Doams la tigresse. Elle parle beaucoup de la vie de couple. Parfois, je la suis quand j'ai du temps. C'est juste qu'au moment où elle fait ses directs, je suis au travail. Oui. Merci beaucoup, Doams, de ta présence sur mon direct. Vous comprenez? Mais normalisez. Bon, ta femme t'a insulté. Elle s'est insultée devant ta maman. Elle s'est insultée devant ta soeur. Elle s'est insultée devant les gens. Elle s'est insultée devant la visite. Un jour entre vous deux de palabres. Quand on insulte un mari, ça dit il y a palabres. Hein? C'est ce qu'elle est en train de vous dire. Elle m'a insulté. Elle est impolie. Impolitesse, ça c'est dans palabres. Infidélité, injure devant les gens. Il dit injure devant les gens, c'est ce qu'il a dit. Mais injure là, c'est pas devant les gens. Injure, c'est entre nous deux. Donc, vous avez fait. Vous comprenez? Exemple, ton mari reçoit de la visite et puis tu es condescendante devant la visite. Ben, ça, c'est toi-même ton éducation que tu remets en cause. Ce mari-là, tu le commandes entre vous deux. Hein? Mais quand il y a la visite là, tu n'as pas prouvé ça. C'est ce que moi j'ai dit. Vous comprenez? Donc c'est ça. Donc on ne va pas prendre pour dire que non, tel couple est parfait. Non, et un homme ne doit pas céder tout. Un homme ne doit pas dire tout à sa femme. En tout cas, quand ton mari t'aime là, il va vous dire ça, mais ça va vous choquer. Les femmes qui sont les maris qui les aiment, ça de quoi ils parlent. Quand ton mari t'aime vers la fin, c'est toi qui as raison. C'est ce qu'il a dit. Ça a choqué, mais c'est la vérité. Ni t'aime, c'est toi qui as raison vers la fin. Bah, tu as en possession de toi. Doams la tigresse a vécu dans un foyer, souvent je l'écoute. Elle parle de ça. Il faut trouver le juste milieu. Souvent, il ne veut pas bon. Ah, Dieu, c'est pas de ta faute, mais Dieu t'a donné quelque chose que tu possèdes de en position de force, comme dit le roi. Ah. Mon cher, vous avez quelque chose. Dieu vous a donné une puissance. Mais toi, ce que tu as, ce n'est pas une puissance. Ça n'a qu'à être une puissance, ce que tu possèdes. Toujours. Toujours qu'il y a ça. Adieu, Esther. J'ai enlevé les faux oncles. Hier, quand j'ai enlevé les faux oncles, j'ai pensé à toi, Aya. J'ai dit, Aya. Comment tu fais les faux ongles? Toujours. La souffrance de ça. C'est Wendy qui m'a dit, maman, mets sur l'eau chaude. J'ai dit, mais même sur l'eau chaude, ça me fait mal. Mais comment les Aya font? Et puis elles ont les ongles, enfin, toujours là. Ah, Aya, vous êtes forte, ben. J'ai essayé un peu, deux jours là, c'est la souffrance. Mais impacter, laisser à faire des faux ongles, l'impacteur va revenir à ses anciennes choses. Ah, il t'aime là, mon cher. Souvent, il sait qu'il n'a pas raison, qu'il a raison, hein, mais il revient tout. Mon chéri, là maintenant, nous les femmes, on sert le visage d'une manière, d'un coin là. Il vient, chérie, hein, c'est bon. Hein? Il dit, pardon. Oui, ça, je ne veux pas qu'on me parle mal. Je ne veux pas qu'on me si je suis dans mon coin. Oh. Il dit, mais tu peux être dans ton coin, on est deux dans la maison. Comment? Oui, en ce moment, quand elle était petite, on l'envoyait chez des frères, chez nos frères, à Québec là-bas. Donc, il dit, mais. Non, tu ne l'appelles pas sous ce nom-là. Là. Tu l'appelles pas sous ce nom. Comment l'appeler sous ce nom? Ici, sous mon direct, tu l'appelles pas sous ce nom. Tu as mis les cœurs pour la réconciliation, non? Donc, tu l'appelles pas sous ce nom-là. Pendant que tu mettais les messages de choses là-bas, c'est elle qui me honorait. Donc, tu as mis son nom ici. Tu as mis ce quoi? Bon, là, c'est, faut pas mettre son nom. C'est ma doudou dans l'air, là. Aïe, dernier mot, ma chérie, si tu es dans ton foyer, que tu n'as pas le dernier mot, c'est qu'il y a un problème. C'est ce que l'impacteuse a dit, depuis sa position, depuis son petit canapé en cuir. C'est ce qu'elle a dit. Aïe, si tu es dans le foyer, que tu n'as pas dernier, petit dernier mot, elle a bloqué. Dès la fin, elle a bloqué. Elle pensait qu'elle était venue à une bonne intention, mais
Derrière le nom que tu dis là, tu sais que c'était des façades. T'as dit, t'as pas donné un mot, bon. Bon, je sais, on est allé, hein, on l'appelle, c'est pas comme je vous ai dit, hein, c'est pas moi qui l'ai surnommé le roi, hein, lui, ce sont ses amis, hein, son carnet d'adresse qu'il a ici à Montréal, quand il arrive à faire des travaux, tout, on dit, mais tu es vraiment le roi de Montréal, c'est quoi le roi est resté, sinon c'est pas moi, mais on s'en souvent, on règle les petits conflits, tout et tout. Mon cher, je regarde dedans, je dis, ah, la femme n'avait même pas raison, mais le mari aussi, bon, il s'est fait plat. Tu vois, dans les foyers où, même si on n'avait pas raison, hein, on va réfléchir un peu, on va dire, mon cher, c'est ma femme. C'est que si c'est à nous deux. Soyez dans les foyers où l'homme va dire que c'est que ma femme m'a dit, c'est à nous deux. Je m'en fous. Mais non, c'est pas ça. Vous comprenez? Ça, ta femme t'a insulté. Elle a dit quoi de toi? Oh? Tout et tout. Oh? Tout et tout. Merci beaucoup, Valentine. Valentine Loun, merci. Partagez si vous aimez le direct. Partagez. Olga Sissé, l'impacteuse pour tes ongles, trempe dans. Ah, c'est ton. Ah, d'accord, ok. Eh, non, je vais laisser affaire de faux. C'est pas moi ça. Il faut mon voix bon. Je vais laisser pas, il y a la souffrance derrière. Quand elle m'a dit, mais sous l'eau, j'ai dit, mais l'eau sous ça a brûlé mes doigts. J'ai dit, mais maman, fait. J'ai dit, mais le doigt même fait mal déjà. Tu cognes ici. Eh, les enfants, mon nique, tu touches ici, ça te fait mal. J'ai dit, c'est bon. Ma vie n'est pas un faux ongle. Valentine Loun, merci. Olga Sissi, merci. D'accord. On dit qu'on est. On dit de tremper dans l'acétone. Il décolle sans difficulté. D'accord. En tout cas, c'était la souffrance. Oh. Merci. Si on vous montre mes photos quand j'étais. Très très jeune, c'est la perte de poids qui m'a, la perte de poids m'a quand même, pour reconnaître, quand j'ai perdu le poids, ça m'a, même les lolos ont disparu, les lolos après, les lolos étaient au point, quand je suis partie, si vous mettez ma photo, quand j'étais à Cuba, il y a comme, on est là, ça fait 3 ans, il y a comme 4 ans, si je vous mets ma photo, vous allez dire, wow, c'est l'impacteuse qui est là, c'est petit, j'ai mis, et puis vous allez dire, wouh, tout était au point. Mais si tu as perdu le poids, tu fais les 17, 18 de hypertension. Tu as regardé beauté, puis tu n'as pas maigri. Il a regardé la santé. Ils ont dit, non, c'est 500. Sinon, les lolos étaient en place. Ils étaient là, correct. Il y a quel garçon qui n'aime pas lolo? Tous les garçons aiment lolo. Mais il a regardé ta santé, il a dit, bon, autant maigri. Mais quand tu as maigri, les lolos vont maigrir, les fesses vont maigrir, les bras vont maigrir, les cuisses vont maigrir. Merci beaucoup, mes impactés. Merci. La vie, c'est pas au fond, pour ongles. Merci beaucoup. Mes impactés, on est rendu à quelle heure là? Ça fait combien de temps qu'on est en direct? Il ne faut pas risquer. On est là. Hey, là. Donc, normaliser les problèmes. Homme, tu es ta femme, mais c'est injuste dans la main, ça c'est entre vous deux. Même si tu es fâché, tout et tout, on vient pour la négociation, la femme, on vient, il y a un peu qu'on va crier et puis on va dire, on ne dit pas tout. On ne dit pas tout. Faut le laisser. C'est pas grave. Elle n'a pas manqué de respect à ta maman, ton papa, devant tes amis, tout et tout, elle te valorise. Aïe, où elle fait? Quoi faire? Elle dit que tu allais traiter Annie Kelly. J'ai retrouvé ma maman. Ma maman Lolo Nizako, j'ai retrouvé ma mère. J'ai retrouvé ma petite maman. Mariam Dosso, je t'aime maman. Je vous aime. Oh. L'impacteuse, elle est là pour tout le monde. L'impacteuse aime tout le monde. Je dis que une de mes très bonnes petites soeurs ici à Montréal, c'est Mama Bakayoko. Mama Bakayoko, Dominique Yoboué. Liliane, Salami, Asana, ça c'est notre gang. On n'est pas les mêmes ethnies. Elles ont les mêmes ethnies. Je vous ai tué des rires. Comment tu fais pour. Il y a expliqué ça à Diane Lajoie. Il a expliqué ça au début. Au début.
J'ai expliqué ça au début de la vidéo. Faut retourner. Non. Oui, quand il est maigri, là, je suis pas à l'aise. Moi, je suis pas à l'aise. Souvent, je suis là, il dit, c'est pas vrai, il est trop maigri 2 jours. Là, il dit, j'ai écouté. Maigri, c'est tu en as que ça. Avant, tu avais fait pour maigri, non? Donc, maintenant, là. Il dit, il n'aime pas quand il maigrit trop là. Il dit, mais maigri est bon pour ta santé. Il fait les pressions sévères ici là. C'est les ambulances qui sont venues me chercher ici dans cette maison. Ambulance est venue me chercher ici. Vous pouvez imaginer ta fille qui a 11 ans te voit tomber par terre. C'est pas du jeu. On est dans du sérieux ici. Donc, oui, ici là, c'est bon. C'est pas grave. Les seins ont parti au coco, les seins on peut remplacer tout et tout. Voilà, BRAC, le gouvernement du Canada va diminuer. Donc, ouais, affaire. Pas de problème. Dites-moi le temps. Lily est là. Ma chérie Lily est là. Aïe, Lily, c'est ma copine. Hey. Quelqu'un a dit, mais quoi, Momo, toi, xénophobe. Il dit, c'est ce qu'on m'a dit sur les réseaux sociaux. Elle dit, yay. Mais quand on ne connaît pas les gens, il dit, Il dit, c'est ça. Nous, dans notre groupe, notre cercle d'amis, Dominique Yoboué à Toronto, Liliane Salami ici à Montréal, Asana, je parle peu d'elle parce qu'elle est beaucoup trop réservée. C'est, si vous voulez, la plus tranquille de notre groupe. Plus Mawa Bakayoko. Domi même fait jalousie si Mawa. Elle dit, toujours c'est Mawa qui dit. J'ai dit, toi. La jalousie est dans ta tête, ça, ta petite tête de comment conduire, pentade. La pentade de Toronto. Merci beaucoup, mes impactés. Si vous avez aimé le petit direct de riz, partagez. Partagez. Le soir, si le temps me permet, on va jaser un peu. Bon, c'est qu'à 6 minutes, c'est déjà. C'est qu'à 6 minutes de tous ces trucs-là. Merci beaucoup, merci. Vraiment, je vous dis merci, c'est Cassini, c'est déjà assez. Merci, c'est gentil, merci. Merci. Vraiment, je vais vous laisser passer, il est 10h14, je vais m'apprêter pour préparer soit le foufou ou le placali. On ne me dit plus, hein. Avec toi, le temps passe vite. Sylvain Masse, toujours. Foufou, là. La stratégie maintenant des derniers temps, hein. Sylvain Masse, la stratégie, je t'explique là. On paye les bonnes bananes là. Vous voyez les bonnes bananes, tu viens en Occident, les bonnes bananes là. On paye et puis, chérie, j'ai fait un peu de ton épicerie. Il sait que j'aime les fruits. J'ai dit ce monsieur là. Attends, j'ai posé mon verre. Il sait que j'aime les fruits, j'aime la salade, tout et tout. Chérie, j'ai passé dans le coin là où tu aimes les crevettes, hein, la salade comme tu aimes faire bien là. Hein? Tout et tout. Maintenant, bon, on m'a envoyé salade. On m'a envoyé les crevettes. Et puis, il y a des bonnes bananes qu'on a envoyées à côté. Mais les bonnes bananes, on a envoyé pourquoi? Hein? Tu crois qu'on a envoyé les bonnes bananes pourquoi? C'est pourquoi tu ne peux pas le foufou. Aujourd'hui, il est resté au travail. J'ai dit, papa, mais les bananes sont en train de mûrir. J'ai vu qu'il n'y a plus de viande, tout et tout. Et il dit, mais peut-être tu peux faire un foufou, un petit placali, un petit foutou. Paikala aussi aime le foufou, elle aime le bananes. Non, c'est belle la stratégie. Pourquoi on avait envoyé les bananes, les bonnes bananes qu'on avait envoyées? Mais même chose que j'ai dit au début, c'est ce que j'ai dit à la fin. Foufou et placali. Si tu as fait ça, il n'y a pas de problème. Il dit, tu as fait ma bonne cuisine, tu t'es occupé de moi. Mais tu comment on a fait ça? Comment il dit là? Tu t'es occupé de moi, mes invités viennent, tu t'occupes d'eux. Chérie, ce que tu m'as dit entre nous deux, c'est entre nous deux. Je m'en fous. Toi et des hommes comme ça, votre couple va marcher. Je vous aime. Merci beaucoup. Au revoir. En tout cas, un petit direct de riz. Au revoir. Bienvenue à Wignan. Mais pourquoi ça fait terminer? Je vais terminer.